Rodolphe, je te passe le micro. Merci, Daina. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une petite diffusion stéréo de captation qui a été faite cet été en Amazonie, dans la bordure sud-ouest de l'Amazonie, dans l'état du Rondônia, qui est un état qui est assez symptomatique de l'état de l'Amazonie en ce moment, qui est tristement d'actualité avec tous ces feux, comme tout le monde sait. L'état du Rondônia, il est symptomatique parce que c'est un des états les plus déforestés depuis une cinquantaine de dernières années. Et c'est la forêt la plus fragmentée en Amazonie, bordure sud de l'Amazonie. Et il n'y a que des îlots de forêt qui restent. Ces îlots de forêt sont pour la plupart en fait des îlots de forêt qui correspondent aux terres qui ont été définies par la FUNAI, la fondation qui définit les limites, les terres des Indiens. Et ce sont encore les garants de la forêt pour on ne sait plus combien de temps, puisque comme vous le savez sûrement, Bolsonaro a décidé de passer la FUNAI sous la direction du ministère de l'agriculture, qui en fait évidemment est aux mains de l'agro-business.